Bonjour Mathieu Lebal, pouvez-vous nous parler de cette nouvelle exposition? Bienvenue à la Galerie de Bretagne. Donc pour cette exposition que nous présentons pour Noël jusqu'au mois de février, elle est consacrée à la figure de Christian Caillard. Christian Caillard était un peintre de ce qu'on appelait le mouvement des peintres de la réalité poétique. Ce mouvement important, d'après la Seconde Guerre mondiale, est un mouvement figuratif, composé par 8 peintres, dont Christian Caillard, et c'est un retour après les affres et les ombres de la Seconde Guerre, un retour aux couleurs, dans le sillage d'un Pierre Bonnard ou d'un Henri Matisse. Et la Bretagne de Caillard, c'est Ouessant. Pourquoi Ouessant? Qui n'a pas peint Ouessant parmi les grands peintres? Sauf que Caillard ne va pas peindre les vagues, ne va pas peindre la colère majestueuse de l'océan contre l'île, il va peindre l'intérieur, comme s'il avait intériorisé quelque chose qui était de l'ordre de la création du monde. Et chaque petite maison, au hasard des chemins, des genêts, des joncs, c'est l'âme face à cette quête de la vérité. Comme pour cette maison du pirate, c'est pratiquement l'abordage de la lumière par la couleur.